Bon. Mais pourquoi un mouvement de la pierre à la vie? Il y a quelque chose d'étrange ici. Bonjour, porte secrète. Où me mènes-tu, porte secrète? Tu m'amènes à un endroit. Un endroit. Des basiliques. Des basiliques? Des basiliques? Non, attends, mets-toi une épée. Mets-toi une épée. Mets-toi une épée. Mets-toi une épée. Oh, un guerrier. Enfin, une armure. Mais j'ai pas tout découvert. Oh, oh, un dragon. Un dragon. Oh, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Oh, est-ce que je le tente? J'ai tellement envie d'essayer. Je suis sûr que ça marche. Je vous assure que c'est une bonne idée. On va utiliser l'onguent sur le dragon. Pourquoi ce... Verrouillé. Pourquoi pas? Mais alors, la belladone, attends. Qu'est-ce qu'il me disait que ça fait, la belladone? Attends, je vais l'utiliser. Ah! Augmente mon armure. Je vais utiliser cet onguent sur cette. Oh, je veux savoir si ça marche. Oh, d'accord, statue de dragon. Oh, j'ai un dragon! C'est un sphinx! Bon. Ah! Humain! Oh! Oh, ce sphinx! Oh, oui! Oh, il est beau! Est-ce que je peux. Oh, tu es un peu moche par contre. Je suis désolé. Toutes mes excuses, humain. Le choc dû à ma transformation de pierre en chair m'a utilisé ma langue matérielle. Puis-je me montrer assez présomptueux pour demander le nom de mes affaiteurs? Alors, je suis Mirexanfit. J'imagine qu'il est assez difficile de prononcer le nom dans votre langue. Aussi, appelez-moi Mir. Si tu as, ouais. Avez-vous rencontré quelques difficultés pour vous débarrasser de ces lézards en maraude et de leur regard pétrificateur? Pas vraiment. Je suis impressionné. Toutes les heures, vous vous sentirez mieux que moi. Et sachez que je ne suis pas aisément impressionnable. Mon entre tombe vraiment, Mir. Je ne dispose pas des commodités séantes à tout invité. Je peux répondre à vos questions, nous pouvons jouer aux énigmes. Ah oh, oh oui. Oh vas-y. J'adore les énigmes. Laissez-moi réfléchir à quelques temps, je vais trouver une des plus passionnantes rien à voir avec cette histoire d'âge et de jambes. Oh. J'en ai une, elle est facile, mais c'est un bon commencement. Quand je dévore, je grandis. Quand je bois, je meurs. Mon existence te procure la vie. Mon contact ne procure que cri. C'est le feu, évidemment. C'est un conseil pour une pierre de pouvoir. 6 racines de belladone mélangées dans l'urne offensive hâteront vos pas. J'aime me déplacer rapidement au beau milieu de la mêlée. Alors si racine de belladone, je vais quand même noter tout ça. Si belladone, oui, j'ai des feuilles à côté et ça c'est beau. Une plus difficile. Sans moi tu t'aplatirais, avec moi tu te sentirais fort. Trop de moi et c'est la chute assurée. L'orgueil. Très bonne réponse, très bien vu. Nous apprécierons la puissance offensive de la pierre de pouvoir lorsque 10 organes de créatures extraplantaires sont projetés dans une droite. Ah putain, mais c'est des urnes en fait. Donc. Donc c'est 10 langues de slad. Et là, les slads, il y en a plein. 10 langues de slad. Et enfin, une dernière. J'ai eu l'occasion d'assister à une bataille opposant des griffes, des griffons, des hippogriffes, des mâles et des femelles de chaque race participant chaque membre des deux races attaquer chaque membre d'autres races. Quand un griffon mâle attaque un hippogriffe mâle, il se lance des coups de serre. Quand un mâle et une femelle ou encore deux femelles combattent, ils se mordent.
J'ai eu 21 couples de se lacérer et 34 autres se mordre. Combien y a-t-il de mâles et de femelles participaient à la bataille? Merde! Alors, 21 couples se lacéraient, donc 42 personnes et 32 et 34 autres se mordent. Combien y a-t-il de mâles et de femelles participent à la bataille? Si mâle dit femelle. Ah non. Ah mais ah non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Je sais pas ce que je voulais. Ah et puis j'ai perdu, merde. Ah zut, flûte beat. Ah ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis chafouin. Alors. Par exemple, j'ai activé le portail. Une boule de cristal montrant sur quel bouton appuyer. J'en ai fini avec mes questions et parlons. Alors, je vais recommencer. Alors, le feu. Ça, c'est l'orgueil. Alors. Alors là, réfléchissons. 21 couples, donc ça fait 42 personnes, ça jusque là ça se tient. Et 34 autres se mordre, donc. Donc. Donc, ça me dit rien. Ça me dit absolument rien. Je ne sais pas. Je sais pas, c'est énervant. Non, ça me dit rien. Je n'y arrive pas. Ah, je trouve pas, ça m'énerve. Je ne trouve pas, non. Mais... Alors... Nous confère un pouvoir offensive, défensive. Je vais mettre le nombre de chaque composant. D'accord. Alors, on continue ça. On va trouver. Je vais trouver, je te dis. Plus de mâle que de femelle dans ce combat. Ah, merci! Au moins pour les 500 points d'XP. Bon, je vous quitte. Bonne chance. Au revoir! Au revoir, poupée! Au revoir, tu vas traverser le mur? Non, tu disparais, c'est pas cool. Bon, bah, voilà. Je suis une torche en énigme. J'espère que vous avez apprécié mon... ma non-connaissance des énigmes. Qu'est-ce que c'est? Oh oh oh, bonjour. Alors. Des piliers runiques. Alors, tenter de traduire les ruines. Le drôle peuple fait peut s'avérer très salutaire
utiliser pour attaquer, vous estourbis vos adversaires. Même utilisé en défense, et même si vous attaquez, nul ne pourrait les voir. D'accord. Avec 10 langues des créatures extra-plantaires, vous pouvez détruire en instant vos adversaires. Même utilisé en défense, 6 d'entre elles vous protègent contre l'air, la flamme ou la terre. Très bien. Ça a l'air chiant, toutes ces énigmes à la con. Ici. Le sang dragon, adversaire ultime, combiné à votre attaque, balayera vos ennemis comme une plume infinie. Utilisé en défense, il vous rend votre poids sensible à tout mal. Alors, lorsque pousse 4 racines de 12 Bledon, ceux qui vous attaquent se meurent avec une lenteur mentale, mais les élans 6 dans un but défensif et vous-même sortirez bien plus vite. Oh là là, ça a l'air chiant. C'est pour faire des potions. Quand par 3 fois le pouvoir du rubis à l'attaque de la grande urne est joint, alors vos attaques se consument de pouvoir marqué point. Ajoutez-vous ceci aux oubliettes qui en guise de défense utilisée contre l'ennemi son puissant pouvoir magique. Quand l'œil étincelant du rubis flamboyant devient l'allié de l'attaque, alors le piège est créé pour les. Ah, ok. Bon, il faut que je mette des trucs là-dedans, dans cette urne et dans cette urne. Qu'est-ce que je mets ou dans quoi? On va essayer d'être un truc au pif. Placer. On va essayer. 4 Belladon, j'en ai assez. Placer une racine de Belladon. 3, 4. Et là, on va mettre, je sais combien on va mettre de la poudre de fée. Non, sans ça, poudre de fée, j'en ai pas assez. Du sang de dragon, j'en ai combien? Voilà. Donc là, il y a 2 et là, il y a 4. Et il ne se passe rien. Ouais, c'est donc pour faire des sortir le sang de dragon. Sortir le sang de dragon. Se désintéresser. Oula. Sortir. D'accord, donc ça c'est pour faire de la magie. Donc je laisse soin aux plus téméraires d'entre vous de faire ce que vous voulez avec cela. Parce que je vais pas vous mentir que ça là ne m'intéresse pas. C'était une pièce cachée en tout cas. Bien. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est savoir ce qu'il y a ici. Cette porte est verrouillée. Elle est même bien verrouillée. Où je vais... merde, alors attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Non, c'est bon. Je vous vois... Attention, ninja... Bonjour, bonsoir, je suis... Attention, c'est hors de zone. Des slades. On va les laisser. Voilà. Moi, je les laisse se démerder. On va aller là-bas. On fait quoi? Moi, je regarde, hein. J'avais vu que... Oui, là, il y a une... Oh, fissure. C'est un peu moche. Une fissure. On va aller en bas. Enfin là. Non, je sais pas. Ouais, on va les laisser se battre. Oh non, des soldats morts. Oh what? Ah là par contre j'ai du grabuge. Et il y a eu grabuge. Perte et fracas. Et d'autres mots. Là, il y a une porte condamnée. Une porte condamnée. Là, la porte, elle est condamnée. Bon, bah, on va aller en face. C'est bon, vous amusez toujours là-bas? Oui, ils s'amusent toujours. Bon, on va y aller tranquillou. De toute façon, ils me voient pas. Donc, j'ai fait le tour, en gros. Ah non, des slades. Ya, je t'ai caché derrière la porte. Donc en fait, il y a beaucoup de slades. En fait, toute cette zone est en fait pour récupérer un maximum
de composants pour les pour la machine qui se trouve juste là. Peut-être falloir que je me débarrasse des trucs. Donc, ok. Ah, je vais aller en bas. Je vais aller en bas. Oh, j'ai vu un truc là-bas. Non, au cas où on me donne une torche, c'est sympa, mais je m'en fiche, j'en ai déjà une. Dans quoi il y a une porte là? Oula, le zoom de l'infini. Je te vois. Ah, j'ai esquivé! Je ne suis pas embêté. Attaque par derrière! Non, esquive. Raté. Et là aussi. Tiens. Paf. Salut, tu es bugué. Tu es bugué. Ah, tu étais bugué. Bon. Voilà, c'était juste pour ça que je suis venu. Mais vraiment juste pour ça. Alors oui, j'aurais pu continuer tranquillement, mais en même temps, les autres, ils étaient en train de se battre entre eux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On va dire que bah c'est une rivalité de qui protège l'endroit. Cette zone était quand même un peu grande, parce que c'est quand même un petit moment que j'y suis. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, il faut que j'aille là. Là, c'est l'angle de stade. Alors, vous voyez, les langues de stade, il y en a tellement. Bon, alors, est-ce qu'ils ont fini de se battre? Oui, il ne reste que deux slades. Bonjour. Oh non, je suis tombé. Cinématique. Oh mon dieu, quelqu'un a disparu. Ah non, attendez, parce qu'il faut que je me tape tout le monde. Toi. Toi, t'as un stade gris, et les stades gris, c'est pas les bons bails. Le stade gris, c'est pas du tout les bons bails. S'ils sont rouges, ça va. Bleu, c'est la... Voilà. Non, pardon, excuse-moi. Non, mais messieurs.
Voilà, toi. Voilà. Voilà. Bon, attendez. Toi à gauche, t'es rouge. Je t'aime pas. Voilà, toi derrière, je te vois. Tu vas mourir aussi. Voilà, toi. Toi, on va revenir. Enfin non, il y a lui surtout. Il n'est pas invoqué, donc il peut se battre. Il peut se... Ouais, si, je peux le battre. Sans qu'il y ait un énorme risque. Voilà. Donc, revenons. À nous deux. Allez, allez, décède, décède. Paf, t'es mort. Attendez, il y a un reste, c'est lequel? Non, c'est pas celui-là. Ce reste-là. Par le bot, je prends, je suis... presque trop lourd. Je vais me débarrasser de 2-3 équipes, 2-3 trucs par contre. Je dois avoir... voilà. Ça en fait je sais pas pourquoi je l'utilise. Et je suis lourd, c'est incroyable. Bah du coup, ça va me permettre d'utiliser mes autres. Ça on est d'accord, ça fait moins 80%, ouais. Ouais, parce que j'ai eu peur. Donc du coup je vais aussi mettre le bâton qui doit peser un petit peu. Voilà, 2 kilos en moins. Et j'ai quoi d'autre qui peut peser un peu lourd? Cette master. Oh la vache, c'était la master. Bon bah voilà, on a bien tout cassé. On va sauvegarder. Voyons. Ah, Drogan. Te voilà. Ah. Juste là où je le pense. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagé de te revoir. Ah oui, ça n'a pas été simple, hein. Ah bah oui, surtout le poison. Alors, l'ennemi qui se cache derrière tout ceci me traque depuis des jours, comme j'avais soupçonné. Ouais. Et qui était-ce? Cet adversaire est d'une puissance en sorceleuse Euro 10. Belferon. Qu'on se dit qu'on n'ait pas entendu parler depuis si longtemps. Ouais. Oui, je l'ai vu. Trouver la boule de cristal. Ah oui, d'accord. Très bien, bonjour. Alors pardon, excusez-moi. D'accord. Ah, c'est ce que je vois. Torche. Une autre salle. Ah, mais que vois-je? Je vois quelque chose. Je vois une boule. Tu essayes. Est-ce que tu peux me soigner? D'accord, bon. Il faut que j'active le portail.
Alors d'abord la brèche, parce que je voudrais bien savoir ce que c'est. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Je suis. Ça se trouve, c'est un piège à la con.